Nouvelle hausse du prix du pain au Bénin, précisément dans le département de l'Atlantique. Les populations de ces départements devront débourser désormais un peu plus avant de s'offrir une baguette de pain. La baguette de pain ordinaire de 160 grammes est désormais vendue à 150 francs CFA au lieu de 125 francs livrés il y a quelques jours en arrière. C'est le constat fait sur le terrain, précisément au carrefour Révielicla. À en croire cette vendeuse, cette augmentation de prix est justifiée par certains promoteurs de boulangerie par la hausse vertigineuse des prix des matières premières. Ben, d'ailleurs, comment est-ce que vous prenez ça? Moi, attends, il y a un moment où vous prenez ça, comment est-ce que vous prenez ça? Avant, nous prenions le pain à 100 francs et on le revendait à 125. Et un jour, les boulangers ont décidé de nous céder la baguette à 110 francs. Quand nous le prenons, nous n'arrivons pas à faire de bénéfices, alors nous nous sommes endettés. Après nos cris de cœur, ils ont ramené le pain à 105 francs pour nous permettre de gagner 20 francs. Mais hélas, depuis la semaine dernière, les boulangers nous ont annoncé qu'à partir de ce lundi 20 février 2023, le pain sera vendu à 150 francs. Depuis 6h30, j'ai pris 50 pains. Les clients refusent de l'acheter à 150, qu'ils veulent prendre le pain à 125 francs. Alors, nous demandons la clémence du chef de l'État, car tout va mal. Je suis obligé de vendre le pain à 125 francs juste pour écouler mon stock. Pour Dame Porintor, l'État doit accompagner la population et siffler la fin de la récréation. Je voudrais acheter du pain ce matin. On m'a vendu du pain à Bengan et on m'a vendu ça à 100 francs. Je n'ai pas acheté. Je suis arrivé au carrefour Révier et je vais acheter maintenant. Ils ont dit l'unité c'est à 150. Où allons-nous avec tout ça là? L'État vient à notre secours parce que nous ne voulons pas que on n'a pas trouvé à manger et le seul pain qui est un peu moins pour qu'on peut donner aux enfants là. Maintenant, on ne trouve plus à manger. Je vous en prie, il faut parler, il faut venir à leur secours pour que nous aussi, ça marche un peu pour nous. Parce que quand on veut acheter du pain maintenant et on ne trouve pas, le pain est à 150 l'unité. Combien on peut donner aux enfants qui vont à l'école avec, ils vont acheter du pain avec quelque chose dedans? Au moins, on leur donne 200. Maintenant, le pain à 150, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de 50 francs dedans pour que les enfants mangent? On vous en prie. Venez à notre secours. Par ailleurs, du côté de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie du Bénin, la question de la hausse du prix du pain n'est pas encore abordée à leur niveau.